Bonjour à tous. Alors, je vous ai prévu des cours de com également, en plus de ce que je fais déjà dans l'atelier création d'entreprise, parce que j'estime que c'est nécessaire pour, là, en l'occurrence, la présentation d'un CV et d'une lettre de motivation. Alors, le CV, vous allez savoir le taper, je pense que tout le monde sait le faire. On met en valeur les qualités qu'on a pour le poste. On met entre parenthèses les qualités qu'on a déjà développées pour d'autres postes et on met en valeur principalement le fait que c'est ce poste-là qu'il nous faut. En communication, c'est très important. Rapport à la lettre de motivation. Alors, on a vu dans l'atelier projet rédiger un projet, le curriculum vitae des personnes qui rédigent le projet. Il va de soi qu'il faut parler un petit peu de l'entreprise d'abord. Pourquoi cette entreprise-là? Et par la suite, parler du projet tel qu'on a appris à le rédiger. Et par la suite, parler du futur, c'est-à-dire un entretien et des aptitudes pour occuper le poste dans une lettre de motivation, c'est très important. Alors le CV doit être construit sur les meilleurs diplômes qu'on ait obtenus, sauf s'il y a des mentions, dans ce cas-là on les précise, en précision complémentaire. Les expériences professionnelles, il faut les mettre en valeur. Si vous avez occupé une tâche particulière qui pourrait intéresser l'entreprise, la mettre en valeur. Et les loisirs, c'est un plus. C'est vraiment s'il reste de la place sur le CV. Un CV doit faire une page. Certaines personnes utilisent des CV à 2 pages, mais ça peut être une rédhibition, sachant que une page suffit parce que la personne va mettre 6 secondes à lire le CV. Donc il n'y a pas besoin de 3 pages, 6 secondes à lire le CV. La motivation 10 secondes. Donc voilà dans la com déjà ce que vous pouvez présenter. Les photos, c'est perçu comme discriminatoire, donc vous n'êtes pas obligé. Le prénom avant le nom, mais le nom en majuscule, ça, c'est la grande mode. Et grosso modo, pendant un entretien, par exemple, il se passe pas des trucs comme ça où on reçoit un message, vous avez mis votre téléphone sur silencieux. Voilà pour la présentation. Maintenant, on va voir l'entretien.